I'm your anchor. I told you you're my pole. Through the wind and fire, we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stops and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened, and all the books we've closed. Words just come together, story that we never told. So forsaken for my own, you said just keep holding on. If you're about to break, I'll be your captain. Bon ben voilà, on est avec l'entreprise Isolution et on est venu faire un petit tour dans le car, voir ce qu'il faut boucher ou pas. Il fait un petit tour. Hein, ça, voilà, ça vous paraît bien? Impeccable. Ouais, on a caché le petit clignotant pour pas que ça rentre dedans. Ouais. La mousse. Et puis après ça, on savait pas comment vous allez faire. Est-ce que vous tenez comme ça à la main? Vous mettez un petit coup Bon ben voilà, on a fini tout calfeutré, il y avait encore pas mal de petites choses à faire, mais au moins on est bien calfeutré partout. On a même mis du scotch sur les tasseaux de bois ici, comme ça quand il y aura la mousse, on va les enlever et on verra nos tasseaux de bois, ça sera plus facile pour arraser. Voilà, on a suivi les conseils du boss, hein, en fait, du boss de la mousse. Et Charlotte est en train de finir là-bas avec quelques tasseaux. J'ai fait tous les tasseaux du plafond, Charlotte et moi on a fait tous les tasseaux des côtés, comme ça on est tranquille, voilà. Donc il se met en place et puis après on va essayer de voir la projection, je vais essayer de vous filmer parce que c'est pas évident, ça en met partout et ça chauffe assez. Et voilà. Et puis après tout ça, on fait un petit débriefing avec le boss, savoir les avantages, tout ce qu'il faut savoir sur la mousse projetée. Voilà, allez, à tout à l'heure. Voilà, donc on est revenu dehors parce que ça va commencer à projeter et du coup ça va en mettre un peu partout. Je vais vous faire voir un peu les bécanes et tout qu'ils utilisent. Pour que vous sachiez tout sur la mousse projetée. En train de se dire que
bah, c'est pas évident de laisser notre bus entre les mains de quelqu'un d'autre, en fait, c'est ça? Ouais, moi j'ai confiance quand j'y rêve, alors c'est difficile de ouais, faire confiance aux autres. C'est un professionnel. Ouais, je sais, mais moi au final je le connais pas. Ouais, non, je pense que ça va bien se passer. Non, je pense que ça va bien se passer, mais c'est vrai que le faire par quelqu'un, on l'a jamais fait. Du coup, c'est pas évident quand même. Moi ouais, je l'ai vu arriver, j'ai parlé avec, j'ai été rassuré tout de suite. Allez, à tout à l'heure. Je pense qu'il a commencé. Non. Ouais, allez, on va aller voir ça. Oh là là, c'est en train de faire un de ces boulots. Ouais, tu verrais comment ça bouge. C'est vrai. Tu verrais comment ça bouge tous les petits trous. C'est un truc de. Ouais. Il bouge tous les petits trous. Ça me gonfle dedans. Il y a des endroits où il fait des petites. C'est comme ça pour que ça bouge. Après, il finit. Et il arrive à régler ça limite à 5 mm. Au niveau des tasseaux. Enfin, j'exagère un peu, mais ouais. Il arrive vraiment à bien régler ça. Je suis vraiment étonné pour l'instant. Oh la vache, tu verrais comment ça bouge tout. Ça va faire une carapace. Ça va faire une carapace. Et en fait, ça sent l'ammoniac. Et je vous expliquerai tout ça tout à l'heure avec. On va faire un. Je vais lui faire une petite interview de 5 minutes et on va tout vous dire sur la mousse projetée. Voilà, il y a une réaction chimique qui se fait au moment de la projection entre les deux produits, mais qui n'est plus du tout chimique après. C'est pour ça qu'il se protège en fait. Il ne faut pas avoir peur, justement, il est bien protégé. Il a de l'oxygène, enfin, il a de l'air qui arrive en permanence. Voilà, il est bien protégé. Et ça sent l'ammoniac au final. Je sens l'ammoniaque.
attention, baby. I can't make a move. Like a child, I'm starved for love. I stay there as long as I have to. I'll cry a river of tears that flows to the sea. Baby, if you run away. Baby, if you leave. I'm so in love with you, girl. You make me feel brand new. Let me take care of you. I know that your mama said I'm gonna make you. Bon, alors là, c'est un petit peu galère parce que le gars il en chie parce que d'habitude il fait des maisons où c'est un petit peu aéré. Et là, c'est vraiment confiné. Il fait 50 degrés, c'est la misère. J'ai été pour recoller quelques scotch, j'ai resté 5 secondes avec le masque et j'arrivais plus à respirer, j'étais en train d'étouffer. Même lui, il a du mal avec son appareil respiratoire, vous vous rendez compte? Je vais quand même essayer d'aller vous faire voir, il faut que je remette quelques scotch. Là, il a fait une pause, donc normalement, ça, il y a moins de produits. Donc voilà, allez, je vous emmène. On dirait que c'est la fin. Ah, grave. C'est clair. Vous faites vraiment beaucoup de bruit. Hein. On peut pas travailler dans le silence. Hein. Voilà, on va laisser récupérer le pro de la mousse. Non, c'est nul ça. Ouais, c'est voilà, nul. On va laisser récupérer. Tu veux dire quoi? On va le laisser récupérer. Voilà, on va laisser le pro de la mousse récupérer. Et ranger son matos, et puis après on va lui poser les questions s'il veut bien répondre. Hein? Ça marche? Ça marche. C'est à peu près?
Ça dépend de la surface de l'épaisseur. Bon, et bien voilà, je me suis mis en reporter avec un petit micro. Non, voilà, il est en train de se rafraîchir et tout, parce que c'était assez dur. Hein, assez hein, chaud dans le buffet. Bon ben voilà, donc nous on a choisi de faire isolation par mousse projetée et c'est de la mousse à cellules fermées, c'est ça ? Haute densité. C'est quoi la différence avec la moule à cellules ouvertes ? Parce que la mousse à cellules ouvertes, c'est ce qu'on devait mettre à la base. Alors la cellule ouverte, elle n'est pas étanche à l'eau, donc elle a des risques de condensation et celle-là, elle est étanche à l'eau, à l'air. Les bulles en fait dans la cellule ouverte, toutes les bulles, elles se croisent. Elles se croisent, voilà. Donc si jamais si j'ai de l'eau qui coule, ça traverse la mousse. Pas celle-là. Non, mais l'autre, là, c'est la base densité. Donc, c'était pas du tout adapté pour le bus. Non, pas du tout. D'accord, j'aurais eu l'humidité de ma pièce intérieure qui aurait remonté dedans aussi. Ouais. Ah ouais, d'accord. Dans les deux sens. Dans les deux sens, que là, au moins, c'est carapace étanche. Et là, avec celle-là, l'autre avantage, c'est qu'il n'y a pas de point de rosée. Ça veut dire que le point chaud et le point froid se rencontrent jamais. D'accord, voilà. Le point chaud, le point froid se rencontrent jamais. Voilà. C'est ça surtout qui était important. Et du coup, bus, c'est un chantier un peu atypique. Ouais, c'est le premier, donc là, un peu atypique. Il fait chaud dans le premier. Bus. 100% étanche à l'eau, 100% étanche à l'air. Pas là, de je peux aller dans l'eau avec, il flotte. Ouais, ça fait barque en même temps. Ça fait barque, ouais, si. Il se retourne automatiquement. Ouais, les barques, ils mettent ça pour que. Les barques étaient percées dans les. Ouais. Sous des barques, j'ai rempli pour que l'eau ait rempli dedans. Il y en a, c'est obligatoire, j'ai vu ça, ouais, pour avoir une certaine catégorie. Ça veut dire que même s'ils se remplissent d'eau, ils flottent en fait. C'est ça. Comme après, les petits voiliers, après, on peut tout faire. Hein. Faites pas que les chantiers comme ça. Non. Maison aussi. 90% de sol pour les planchers chauffants, rattrapage de niveau. Ouais. Ça remplace les chapes de ravarage et les plaques isolantes. Ouais. Surtout que les plaques isolantes maintenant sont interdites à partir du moment où les dalles béton ont plus de 2 mm de faux niveau et les maçons qui font des dalles béton de moins de 2 mm de faux niveau, ça se trouve pas. Ouais. Ça n'existe pas. Et en fait, c'est les assurances qui se sont battues pour arrêter ça parce qu'il y avait trop de sinistres. Donc maintenant, c'est mousse dans tous les logements. Maintenant, c'est mousse. Et on met le plancher chauffant en dessous ? Non, au-dessus ? Au-dessus. Donc au-dessus après, de la mousse. La différence au sol quand on fait les pavillons, c'est qu'on ponce. On met tout à niveau. Des fois, il y a des maisons où ça va de 5 cm à 10. On rattrape le niveau du maçon. On rattrape tout avec la mousse. On ponce, on balaye, on met un poulain quadrillé pour le chauffagiste qui suit avec son serpentin d'accord. sur le quadrillage. Il arrive, il poste. Et on met la bande périphérique au long des murs pour le chapiste, que ça fasse dilatation au bord des murs. Les combles, ça se fait aussi avec ça ? Combles, rampants. En fait, on peut tout faire. Par intérieur, par extérieur. Les gros avantages de la mousse projetée par rapport à, mettons, un autre isolant ? C'est l'isolant le plus cher, mais c'est l'isolant qui s'adapte à tous les niveaux, aussi bien les vitres sanitaires. Les ponts thermiques. Les hangars, les viticulteurs, les élevages. J'ai déjà fait des porcheries, des élevages de volailles. Ça s'adapte partout, ça épouse toutes les formes autour des tuyaux, partout, ça calfeutre tout, ça vient coller autour des fenêtres, donc zéro pont thermique. Alors qu'avec une plaque même bien posée. Mais c'est vrai, c'est pour ça que nous on a fait ça, il y avait énormément de trous, on a bien fait, hein, vous avez vu comment c'était là. Ouais, il y en avait partout des aspérités, des trucs et tout. On a bien fait d'attendre la fenêtre aussi. Ouais, on a bien fait d'attendre la fenêtre, du coup quand je vois le boulot, on a bien fait d'attendre la fenêtre, ouais, c'est clair. Là c'est bien étanche. Donc du coup pour les petits chantiers comme ça de moins de 60 mètres carrés, c'est un forfait. Qu'on parle à peu près prix pour que les gens ils vont demander ça coûte combien. Voilà, faut qu'on leur réponde un peu. Pas trop de prix parce que chaque chantier est différent, mais ça voilà. Dépend de la distance, ça dépend de plein de choses. Mais, mais là nous faut compter combien ? Le chantier de sol lambda pour 100 mètres carrés c'est 24 € du mètre carré. Quoi. Pour du sol ? Ouais. Voilà. Pour des petits chantiers comme nous. Alors vous, c'est un forfait en général autour des 1 700 € hors taxes. Voilà, 1 700 € hors taxes. Ouais. Et puis après, comme il a dit, au niveau du mètre carré pour les maisons, c'est au même prix pour le sol et les murs. Ouais, tout dépend de l'épaisseur en fait. Après, c'est 2 € de plus par centimètre par mètre carré. Ouais, l'idéal, c'est de vous demander où faire un devis. Chaque chantier est différent. Voilà, vous allez sur sa chaîne YouTube ou alors sur le compte Facebook ou alors sur Internet, sur le site Internet Isolution. C'est bien trouvé. Hein. Ouais. Vous avez trouvé ça tout seul. Ouais. Non, franchement, moi, je suis content. Vous avez bien travaillé. Hein. J'ai pas encore poncé. Là, on en a pour combien de jours à poncer ? 2 jours, mais c'est un plaisir après, vous allez voir. Ouais. Là, je peux rentrer dedans dans combien de temps ? Vous faites soirée mousse. Ouais, soirée mousse. Ouais. Je mettrai le lien de son site internet sur la description si ça vous intéresse, pour des maisons, pour n'importe quoi. Et voilà, vous verrez ça avec lui directement après. Hein. On est en Indre-et-Loire, on fait toute la région centre et éventuellement toute la France suivant les chantiers si ça vaut le coup de se déplacer. Voilà, ça c'est bien ça. Ouais. Hein il y a quand même un avantage sur la base densité, vraiment, c'est qu'elle est quand même beaucoup moins chère. Ouais. Mais par contre, elle est bien pour tout ce qui est comble perdu. C'est la base densité, c'est ça ? Non, ça c'est, l'autre. Ça c'est la haute densité. La base densité, la base densité c'est cellule ouverte. Cellule ouverte. D'accord, et la haute densité c'est cellule fermée. Voilà, donc on va répéter. Haute densité, étanche à l'eau, à l'air. Ouais. Base densité, cellule ouverte, étanche à l'air. Tout simplement, pas étanche à l'eau. Pas étanche à l'eau. J'ai une question tout à l'heure. Est-ce qu'on peut projeter sur la pierre ? Sur tout support.
sur tout support. Et la pierre, elle va respirer. Ou on met quoi comme mousse? Pour les vieilles maisons, si on isole les murs intérieurs en haute densité, il faut qu'il y ait un enduit à la chaux extérieur qui respire. Si c'est un enduit ciment, c'est pas possible. Ça, j'ai une question, si ça répondra à vos questions. Mais le mur respire plus par l'intérieur, donc il faut qu'il respire par l'extérieur. Parce qu'à la base, un mur en pierre, c'était pas fait pour être isolé et bouché, quoi. C'était fait pour respirer aussi. On peut le faire en basse densité. En basse densité, comme ça isole et en même temps, ça laisse respirer. C'est un enduit ciment. D'accord, si c'est un enduit ciment. Donc vous faites bien les deux, de la cellule ouverte et de la cellule fermée. Ouais, c'est pour ça que vous m'avez orienté directement sur la cellule fermée. Bah pour les bus, vous n'aviez pas d'intérêt à... En fait, ce qui se passe, c'est que l'hiver, la nuit, ça gèle. Ouais. Votre taux la gèle. Ouais. Le matin, quand le soleil tape, qu'est-ce qui se passe? Ça dégèle, ça condense à l'intérieur. Là, avec la mousse, vous n'aurez pas de condensation. Pas de condensation, putain, c'est cool ça. J'ai hâte d'être à cet hiver. Bah, disons que la longévité de tout ce que vous allez faire en habilitation, ça serait du placo par exemple et tout, vous mettez une basse densité, l'eau passe à travers, au bout d'un moment, le placo il est pourri quoi. Ouais, là au moins. Alors que là ça bouge pas, c'est à vie, 99 ans la mousse pluviométallique. Voilà, on nous a dit aussi, question très importante, on va parler de pollution. À quel moment c'est polluant? Le temps de la projection, c'est le polluant. Temps de la projection, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dans les produits? Alors après ça c'est de la chimie. Hein. Il y en a un, c'est de l'eau, c'est ça? Non, la mousse pluviométallique c'est considéré 80% d'eau. Voilà, 90% d'eau. Ouais. Après, il y a deux produits. Il y a le durcisseur qui s'appelle l'isocyanate. Ouais. Et il y a le gaz gonflant qui s'appelle le polyol. Le polyol, le voilà. Le plus chimique, c'est le polyol. Il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a du propane. Enfin, il y a plein de produits chimiques. Je ne vous les dirai pas tous. Parce il y en a trop. Mais après, ça reste un produit qui est polluant le temps de la projection. C'est pour ça qu'on met Que vous respirez, tout ça. On met un masque à oxygène et une combinaison. Mais une fois que c'est projeté, 2 heures après, il n'y a plus d'odeur, ça ne craint plus rien. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des matériaux qui sont plus écolos, mais bon, quand on voit la fabrication des matériaux écolos aussi, certains, c'est pas si écolo que ça en fait. Non, et puis ça dure moins longtemps. Avec mon camion, je vous fais 300 mètres carrés en 10 cm. Si vous voulez ramener 300 mètres carrés de plaques, on fait revenir avec un semi-remorque. Au niveau de la pollution. Non, mais voilà, je pense que c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus écolo, mais au final, c'est pas ce qu'il y a de plus polluant non plus. Non, quand on regarde tous les à côté. L'exi, justement, c'est écolo dans le sens où, comme c'est étanche à l'air, les gens qui ont par exemple une chaudière à gaz dans leur maison ou à fuel, s'ils ont une mauvaise isolation non étanche à l'air, ils polluent la planète. Mais non, alors mais que là, comme c'est étanche. Voilà, faut voir tous les à côté. Faut vraiment voir tous les à côté. Ouais, non, mais c'est clair. Ça, franchement, donc voilà, c'est polluant vraiment. Après, le temps de la projection. Ça fait peur parce qu'on dirait un cosmonaute. Mais franchement, au moins, il se protège bien, quoi. C'est ça qui est bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller sur son site, Isolution. Ou alors vous nous posez des questions, on essaiera de vous répondre. Du coup, moi j'en ai appris un petit peu. Impeccable. Bon, ben merci bien. Voilà, merci. Et puis, donc du coup, vous revenez dans 99 ans, c'est ça? Ouais, je serais Ah merde, j'avais pas pensé à moi. Ah oui, il revient demain pour couper, c'est ça? Ouais, on vous avait pas dit. Ça. Non, c'était gratuit ça. On peut bien faire ça. Non, mais justement, encore une fois, on s'adapte. Avec Jérémy, on avait trouvé la solution pour que ça coûte moins cher. C'est lui qui s'occupait voilà. De la protection et du nettoyage. Et moi, je venais faire juste la projection pour que ça coûte moins cher. Voilà, c'est ça, c'était prévu dans le ça truc. Ça adapte à tous les budgets. Il peut faire la découpe, il met 2 jours à faire la découpe, mais dans ce cas-là, forcément, c'est plus cher. Et voilà, et donc du coup, moi, j'ai décidé de le faire moi-même. Enfin, surtout, Charlotte va le faire tout seul et elle va se débrouiller, hein. Elle va faire ça bien. Ça permet de s'adapter à tous les budgets, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça permet de s'adapter au budget. Merci bien. Merci à vous. Et à bientôt. Bye bye. Bon, et bien voilà, on a ouvert les lanterneaux et puis là on va laisser sécher tranquillement pour que ça sente plus du tout. Et là déjà ça sent plus. C'est parti, on y va? Allez. Allez, on va aller vous faire voir ça. Ouais, du coup j'en ai profité, j'ai dit tiens, vous pouvez m'isoler ça comme je vais le refaire. Nickel. On a essayé l'outil que j'ai fabriqué. C'est de la merde. C'est de la merde. Donc il va falloir qu'on se débrouille autrement. À la main. Voilà ce que ça donne. Oh, ça fait tout petit d'un coup. Oh là là, on se croirait dans la maison du Père Noël. T'as vu? Ha ha ha! Je suis le Père Noël. Ça résonne. Comme dans une grotte. Et oh, n'empêche. Ouais, ça fait beaucoup plus petit. Ça fait vachement petit. Ah non, mais il y a de la mousse, nos tasseaux, ils sont loin. Il va y avoir du ponçage, chouchou. Non, mais moi, j'ai aquaponé. Va falloir qu'on s'organise, bien comme il faut. Bah, va falloir que tu t'organises. Oh là là, je vais faire ça tout seul. Ça, tu touches, t'as vu? Mais c'est super dur, hein. Vous pouvez y aller, regardez. Ah ouais, la vache. Le toit, il est devenu rigide, un truc de fou. Putain, c'est dur. Ouais, c'est dur, dur, dur. Ces ponçages, on va adapter, on va créer des disques, on va se débrouiller. Et là, ça va, ça n'a pas trop bougé. Non, ça va pas. Non, non, ça va. Putain. Voilà, on vous laisse. Et ça va parce que tu vois encore tes tasseaux. T'as vu? Ouais, on les voit plus ou moins, les tasseaux. On les voit plus ou moins. Ah, il a oublié son outil. Ah, c'est pour nous maintenant.
tournevis que vous avez oublié. Il est à nous. Voilà, on vous laisse. On espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et à bientôt pour la suite. Et vous savez déjà de quoi vont parler les prochaines vidéos, du moins la prochaine. The road ahead, it twists and turns, and the sun beats down and it burns. But I keep on pushing through. And every step quicker than the last, my feet tread down this beaten path. And I keep on pushing through. 'Cause I get up and I may fall right back down, but your love lifts me back to solid ground. Yeah.